Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de la série Dans la peau d'un développeur. Aujourd'hui, on va parler de la création de prototypes d'un jeu vidéo. Un prototype permet d'avoir les bases de son jeu vidéo et de voir si le jeu colle à la réalité. Généralement, un prototype a des graphismes simples ou moches, mais avec un gameplay jouable. La première étape d'un prototype est de créer le personnage, ou la voiture si c'est un jeu de voiture, enfin vous voyez le truc. La deuxième étape, c'est de faire le gameplay principal. Les plus petits détails seront faits plus tard. Ça peut être de faire un système de tir pour FPS avec juste des cubes colorés ou la physique d'une fusée comme dans mon jeu, et de faire comment le joueur va gagner ou mourir. Il se peut que pendant la création d'un prototype, pas mal de choses changent, l'histoire, la plateforme sur laquelle le jeu va se jouer, etc. C'est un bon prototype quand on s'amuse avec juste des cubes pour un jeu en 3D. Lors de sa création, on va utiliser de simples objets 3D ou des images assez simplistes pour la 2D que l'on va changer après pendant la phase de peaufinage. Mais si vous avez déjà vos assets, vous pouvez les utiliser. Dans un prototype, on va définir les caractéristiques du joueur. S'il marche vite ou lentement, s'il est petit ou grand, s'il peut faire des doubles sauts, etc. On va aussi paramétrer la caméra si c'est un jeu à la première ou troisième personne, si c'est un jeu vu du dessus ou sur le côté, etc. Et les contrôles, va-t-on jouer avec un clavier, juste une souris, avec un écran tactile ou autre. Pendant la vidéo, je vais créer le jeu vidéo avec la fusée en 2D que j'avais évoquée dans l'épisode précédent. Au début, je voulais un jeu avec la gravité des planètes, mais j'ai presque tout changé du gameplay du jeu. Dans mon jeu, j'ai commencé par faire la gravité des planètes et le contrôleur de la fusée. J'ai fait aussi un peu d'affichage de texte sur l'écran du jeu, mais après j'ai changé le jeu, j'ai plutôt fait un jeu où il faut décoller, aller plus haut dans le ciel, tout en récoltant de l'argent sans casser la fusée, pour plus tard l'améliorer pour aller dans l'espace. Et pour terminer, j'ai rajouté un système de vie, d'argent, de checkpoint, de timer, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, commentez cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la création des sons et des musiques, et ciao tout le monde.